Bonjour et bienvenue dans le journal des Sanghas, une émission que vous propose Bouddha Channel en complément de son site internet contributif visible sur www.bouddhachannel.tv. Le journal des Sanghas, je vous le rappelle, c'est toute votre actualité, en bref, ici et maintenant. « 2010 est une année chargée en catastrophes naturelles. Les inondations ont frappé une bonne partie de l'Asie, entraînant des désastres humains et matériels. Les pluies ont maintenant cessé, reste à venir au secours des populations sinistrées. Différentes associations et organisations ont besoin de votre soutien afin d'aider les victimes de cette catastrophe. L'association France Himalaya Tiers-Monde s'occupe régulièrement de parrainage d'enfants Ladaki. Aujourd'hui, à la demande du vénérable lama Khonchob Tarshin Rinpoche, cette association fait appel à votre solidarité pour aider ce peuple himalayen. Pour les aider, envoyez vos chèques à France Himalaya Tiers-Monde, 19 rue Éridan, 91 100 Villabé, ou par virement bancaire. Vous pouvez les contacter sur france.himalaya.tm@online.fr. La Croix-Rouge fait également appel à vous pour aider les victimes pakistanaises. Retrouvez leurs actions et faites un don sur www.croix-rouge.fr. Et pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous dans la rubrique Actualité de Bouddha Channel. Au programme du centre parisien Kwanum, le 28 août, une journée de méditation zen et d'entretien d'éveil Kongan pour préparer une rentrée harmonieuse et paisible de 9h à 16h. Voir les informations sur le site www.kwanumzen.fr. Les 1er et 3e mercredis de septembre à 19h, méditation et chant des mantras du soir pendant lesquels auront lieu les entrevues individuelles de Kongan avec le maître Zen. Le mercredi 8 septembre à 19h, enseignement du vénérable maître Zen Bonyo, le samsara au cœur de ce monde, océan de souffrance. Le 12 septembre, journée de méditation Zen et entretien d'éveil Kongan de 9h à 16h. Mercredi 22 septembre à 19h, enseignement sur le bouddhisme par l'abbé Bjondo Kosanim sur le problème du bien et du mal. Mercredi 29 septembre à 19h, méditation du soir, pendant laquelle l'abbé du temple reçoit individuellement pour un entretien spirituel. La pratique quotidienne du temple Zen Kwanum de Paris reprend dès le 1er septembre avec les horaires divers de 6h30 à 7h45, méditation zen et chant du matin, du lundi au vendredi. De 19h à 20h10, méditation zen et chant du soir, les mardis, vendredis et samedis. De 19h à 20h45, pratique spéciale accompagnée d'enseignements de Kong An ou d'entrevues spirituelles individuelles tous les mercredis selon le planning. À 9h30, méditation du matin, suivie d'un moment de partage et d'un repas en commun le dimanche. Tibet Safe and Care vous propose le 25 septembre de 10h30 à 12h dans le cadre d'une série de conférences retraçant l'histoire du bouddhisme, le premier module intitulé « Le contexte indien à l'époque du Bouddha, brahmanisme védique, Upanishad et jaïnisme » par Philippe Cornu, ainsi qu'une conférence le 30 septembre à 20h sur le thème « Être attentif à soi et aux autres » par Lama Punso. Des week-ends d'introduction à la psychologie contemplative et à la formation Karuna auront lieu les vendredis 24 septembre au soir et samedi 25 septembre à Vincennes. La Sangha Rimé présente du 3 au 5 septembre le festival d'Avalon. Au programme, plateau musical avec des artistes de stature internationale venus de divers horizons et forum auquel participeront de grandes figures de l'écologie et de la spiritualité. Venez découvrir du 4 septembre au 5 décembre au centre Drikukagyu Rinchenpal de Villabé dans l'Essonne les yogas tibétains et yoga de Naropa avec le vénérable lama Tarchin Rinpoche au rythme d'une session de 2 heures par semaine le samedi ou le dimanche. Le stage se clôturera par 2 séances de Qigong. Le centre Kalachakra organise une journée porte ouverte le samedi 4 septembre à 14h30. Il vous propose également des enseignements suivants. Une introduction à l'initiation Kalachakra avec Sophia Strill River vendredi 10 à 19h30.
Une initiation de Kala Chakra avec Chödön Rinpoché les 11, 12 et 13 septembre à 14h. Le mantra de Kala Chakra avec Sophia Strillraver mardi 14 à 19h30. Les 6 perfections dimanche 5 de 10h à 18h avec Geshe Drakpa. Sagesse universelle, un cycle de conférences sur le bouddhisme et les philosophies de l'Antiquité le lundi 6 septembre à 20h avec Denis. Un programme d'études bouddhiques approfondies avec Geshe Lobsang Jangpel, samedi 18 à 14h et dimanche 19 de 10h à 18h. Il s'agira d'une présentation de trois corps de base, la mort, l'état d'interdépendance et la renaissance. Le centre Kala Chakra, c'est aussi de nombreuses méditations, des méditations guidées les mercredis 8, 15, 22 et 29 à 19h30. Une méditation sur le souffle les jeudis 9 et 23 à 19h30, le samedi 18 de 10h à 12h30 avec le docteur Hugues Gonzen. Maitreya, de la compassion, pratique de Bouddha, de médecine et de libération d'animaux, pratique de longue vie, le dimanche 26 de 10h à 16h. Pratique du Bouddha de médecine les mardis 14 et jeudi 23 à 18h. Une méditation vipassana le samedi 25 de 10h à 18h avec Jean-Jacques. Vous aurez également la possibilité de vous initier à la peinture tibétaine le dimanche 12 septembre de 10h à 18h avec Stéphane Martin. Enfin, des retraites seront organisées au centre de retraite dans la Sarthe. Une retraite de Hayagriva du 3 au 5 septembre avec Vénérable Detchen. Une retraite de Kala Chakra du 16 au 19 septembre avec Sophia Strillraver. Au Dzogchen de Paris aura lieu une journée de Zazen le dimanche 19 septembre dirigée par Evelyne Reiko de Smet, ainsi qu'une exposition du 17 septembre au 10 octobre intitulée « À l'encre des Bouddhas », au cours duquel vous découvrirez les peintures et dessins de Rémi Gastambide. Le Dojo vous propose également, tous les samedis à 16h, une explication de la posture de Zazen, suivie d'une séance de Zazen à 17h. Pour le centre Dzogchen Gelek Palbarling de Bruxelles, mercredi 15 à 19h30, Dzogchen Ranyak Patrul Rinpoche donnera une conférence sur la science de la vraie nature à Philippeville, en Belgique. Le centre organise aussi le premier festival culturel du Tibet le 26 septembre de 11h à 17h à la Cité du Dharma à Florennes en Belgique. Les bénéfices du festival sont entièrement destinés à l'école orphelinat Sambota créée par Dzongtok Palri Lotus au Tibet. Lama Ole Nidal sera en tournée pour la Voie du Diamant du 15 au 23 septembre. À Grenoble le 15 septembre à 20h30 pour une conférence publique sur le thème « Que faire avec nos émotions ?» À Paris le 16 septembre à 20h pour une conférence publique sur la liberté de l'esprit. La conférence sera suivie d'une méditation guidée. À Amsterdam le 17 septembre à 20h pour aborder le bouddhisme d'aujourd'hui. À Bruxelles les 18 et 19 septembre pour des conférences sur le bouddhisme sans limites. Une première conférence aura lieu le samedi 18 septembre à 20h. Les suivantes auront lieu dimanche 19 septembre à 11h et à 16h. À Brighton, le 20 septembre à 20h, le Lama Ole abordera le thème du bouddhisme en Occident. Puis il se rendra à Londres les 21 et 22 septembre. Le 21 septembre à 20h, il proposera une introduction au bouddhisme de la Voie du Diamant intitulée « Liberté et joie sans limite ». Puis le 22 septembre à 20h, il abordera la mort et la renaissance. Enfin, il se rendra à Dublin le 23 septembre à 20h pour une présentation du bouddhisme en Occident.